enfants, quand ils sont tout petits, vers un mois, dorment entre 16 et 18 heures par jour. Donc en fait, par séquence. Et ensuite, s'organisent vers, disons, 4, 5, 6 mois, alors qu'ils ont une longue période la nuit, le sommeil s'organise différemment. Ils doivent avoir des siestes. Les siestes sont plus ou moins longues selon l'enfant, mais en fait, en général, ils ont 2 à 3 siestes par jour. Et plus le temps passe, plus les siestes se raccourcissent, et vers, par exemple, 18 mois, on a une sieste l'après-midi, rarement une sieste le matin. Et puis, vers 4 ans, quasiment, les enfants, comme ils sont scolarisés, n'ont plus de sieste du tout l'après-midi. Mais le week-end, ils aiment bien faire la sieste aussi, surtout si les parents font aussi la sieste, pas, aucun problème. Donc en fait, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Le sommeil se rapproche de celui de l'adulte, et donc en fait, on ne fait plus de sieste l'après-midi entre 4 et 5 ans. Mais on continue à faire une sieste jusqu'à du sieste le matin jusqu'à 18 mois, voire 2 ans.